Deux mots simplement, d'abord pour vous saluer tous dans la diversité de ce que nous sommes, mais dans l'unité du combat que nous menons et que nous allons continuer à mener. D'abord pour dire que je me reconnais, comme j'en suis sûr tous les élus qui sont ici, à 100%, à la fois dans la tonalité du propos qui vient d'être tenu par Pierre-François Biard et dans le fond du propos qu'il a tenu. Si je suis ici, Pierre-François Biard l'a dit, c'est à la fois et d'abord en tant que maire de Marly-le-Roi, c'est-à-dire d'une des villes limitrophes de Louveciennes, et on peut considérer d'une certaine manière que Villevert, c'est presque la porte d'entrée de Marly. Marly et Louveciennes, cher Pierre Lequillier, cher Pierre-François Biard, ont parti liés depuis toujours et pour toujours. Le plus souvent, pour le meilleur. C'était encore le cas, par exemple, lorsque, vendredi soir, nous inaugurions ensemble au musée Promenade une exposition sur l'archéologie, 25 ans d'archéologie, à Versailles et à Marly. Et aujourd'hui, il s'agit d'éviter ce qui pourrait être le pire. Le pire serait qu'à partir d'intentions qui sont ce qu'elles sont, mais surtout de maladresses initiales du point de vue de la méthode, qui ont consisté à laisser filtrer des intentions par des rumeurs, avant qu'enfin le canal, le seul qui vaille, celui de l'information, se branche pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons, et désormais nous le savons, à travers en particulier un entretien de 2 heures que nous avons eu avec Pierre Lequillier, avec Pierre-François Biard, avec Pierre Fond, auprès de Serge Morvan, le préfet des Yvelines, vendredi dernier. Et donc, le pire serait qu'à partir de ces intentions et de ces maladresses initiales, on laisse aller les choses vers ce qui dénaturerait les équilibres de notre territoire, sans régler en quoi que ce soit les problèmes de ceux auxquels on veut par ailleurs éventuellement porter assistance, aide et secours. De ce point de vue, cette manifestation de cet après-midi s'inscrit, à mes yeux, dans un processus qui doit conjuguer la concertation, c'est notre rôle, et je suis heureux que le maire de Versailles, François de Mazières, qui préside par ailleurs la communauté Versailles Grand Parc et qui désormais font que nous sommes associés, puisque ce projet est à cheval sur les 2 communautés d'agglomération, pour mener avec tous les maires concernés, bien entendu, au premier chef avec Pierre-François Biard, la concertation qui doit avoir comme objectif de faire renoncer l'État à un projet qui n'aurait pas de sens, de respecter les équilibres de notre territoire, de rester fidèle, Pierre-François l'a très bien dit, à la fois dans la manière dont nous menons ce combat et dans les résultats finaux qu'il doit atteindre, à ce que sont nos valeurs. Ce n'est pas en nous écartant de nos valeurs que nous réglerons les difficultés qui sont de toute façon aujourd'hui celles de notre pays. Nous le ferons avec toute la détermination qui caractérise la mobilisation de cet après-midi, nous le ferons d'autant plus efficacement que nous saurons la conjuguer avec toute la sérénité nécessaire. Merci.